entre l'Union nationale de vous, Kokoy, l'Union nationale de notre chère République. Voilà, il va en indépendance, blessons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement, régnité Congo, don béni Congo, des aïeux Congo, beau pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur, 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité. Père, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette salle de l'hôtel d'immortel, que les dirigeants. Mieux connu sous le nom de Lex Hilton. Voilà. 28 novembre 2011, 28 novembre 2014, trois ans déjà, qui marque la commémoration, c'est la date anniversaire du hold-up électoral, ce qu'on a nommé et on continue à appeler aujourd'hui le hold-up électoral. Il s'est passé beaucoup de choses cette année-là. Vous vous en souviendrez que quelques mois avant, c'est-à-dire en mois de janvier 2000 de la même année, il y a eu la première révision constitutionnelle de la Constitution de février 2006. Et c'était le départ, c'est de là que tout est parti. Et tout est parti d'après, et nos orateurs vont le dire aujourd'hui, d'après l'opinion, d'après les observateurs, tout est parti du retour d'un homme au pays, d'un candidat à la présidence de l'époque, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui est rentré un mois plus tôt au pays, revenant d'une longue convalescence. Et un mois après, alors qu'on n'avait jamais entendu parler de révision constitutionnelle, alors qu'on n'avait jamais... Ce n'était même pas à l'ordre du jour, durant toute l'année 2010, un mois après son retour, révision constitutionnelle, mi-janvier, et quelques jours après, la constitution a été révisée. Alors que sous d'autres cieux, les révisions se font sur des semaines, voire même des mois. Il y a des pays qui ont des mécanismes assez rigides, qui font que ça s'étale sur, parfois même sur deux législatures différentes. Et il y a eu le fameux 26 novembre également, le jour, le samedi, où les candidats devaient faire leur dernier meeting, et brusquement, de manière inopinée, on annonce par le gouverneur de l'époque, parce que j'étais à Kinshasa, qu'il n'y avait plus meeting. Et c'était ce jour-là que M. Tshisekedi a été quasiment séquestré à l'aéroport. Il y a quelques témoins qui sont ici, il y a une qui sourit déjà. Et... il y a eu, deux jours après, c'était le jour, la date fatidique, c'est-à-dire le 28 novembre. Et ce 28 novembre, il s'est passé des choses et des choses. Il s'est passé, c'était une date de triste mémoire parce que vous savez qu'il y a eu des bourrages durs, parfois de manière, faits de manière ridicule. On a vu dans certains bureaux de vote des proches du pouvoir arriver avec des bulletins de vote déjà pré-remplis. Et qui voulait bourrer les urnes, et la population s'est opposée, c'était à un moment donné, au mois de décembre, il y a eu des SMS qui ont été, on ne pouvait plus communiquer par SMS, parce que, en fait, pour ceux qui étaient à Kinshasa, il y avait un problème, c'est que les membres du bureau de vote eux-mêmes, de dépouillage eux-mêmes,
envoyer des SMS pour dire dans tel bureau, Tshisekedi a autant, Kabila a autant, X a autant. Et nous sommes là pour réfléchir, c'est un moment de réflexion. Ce qui fait que la MPP, par le truchement de son représentant ici à Bruxelles et en Europe, M. Kouta a décidé de s'apesantir, de réfléchir sur ce qui s'est passé. Quel est le bilan des 3 ans du hold-up électoral? Où en sommes-nous aujourd'hui? D'où venons-nous? Où en sommes-nous et où allons-nous? Voilà un peu sur quoi nous allons nous réfléchir aujourd'hui. Voilà, merci Maître Mbaye. Voilà, ok. Donc là, je suis le chargé des relations extérieures de la MPP, non le représentant Europe. Et en même temps, je suis président, comme je l'ai dit chaque fois, d'un tout petit parti allié au l'IDPS, qui est le Barreso, le parti des réformes dans la société. Alors, sans plus tarder, je m'en vais donner le message de la MPP. Mesdames et messieurs, au nom de la majorité présidentielle populaire, de Maître Papi Tshipangila, avec qui nous avons travaillé d'arrache-pied pour l'organisation de cette journée de réflexion, ainsi que de Maître Mbaye Claude et de Maître Ngouati Jean de Dieu, je tiens à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation, et c'est malgré vos multiples préoccupations. Au nom de la MPP, nous réitérons nos remerciements au peuple congolais qui, le 28 novembre 2011, a élu M. Étienne Tshisekedi Wamulumba à la présidence de la République démocratique du Congo. À cette occasion, nous tenons à renouveler notre attachement au président élu de la République démocratique du Congo et aux valeurs et principes qu'il défend. Nous profitons de cette occasion pour rassurer la communauté internationale et le peuple congolais que le président élu se porte très bien. Nous tenons aussi à dire à ceux qui ont voulu instrumentaliser l'état de santé du président élu comme une stratégie de se maintenir indéfiniment au pouvoir, que la date du 28 novembre 2014 marque le début d'une nouvelle stratégie de reconquête de l'impérium afin de contraindre M. Joseph Kabila de respecter la légitimité populaire issue des élections de novembre 2011. Mesdames et messieurs, créé le 16 février 2012, à l'initiative de l'IDPS et de la démocratie chrétienne, suite aux propositions que Maître Papi Tshipangila et moi-même avons faites à M. Eugène Diomine Dongala, la majorité présidentielle populaire est une plateforme de soutien au président élu, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui regroupe plusieurs partis politiques, organisations de la société civile et personnalités qui revendiquent le respect de la démocratie, le respect de la vérité des urnes et de la légitimité populaire, et qui mène des actions pour la récupération de l'impérium en faveur du président élu. Le 28 novembre 2011 restera gravé dans la mémoire des Congolais et dans les annales de l'histoire de notre pays comme une date sombre, un jour de désillusion. Cette date marque le début de la construction de ce que j'appelle le mur anti-démocratie en RDC. Comme vous le savez, le 28 novembre 2011, les Congolais ont élu massivement M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, président de la République démocratique du Congo. Hélas, leur choix sera de courte durée, car M. Joseph Kabila, qui refuse de céder le pouvoir au vainqueur de l'élection,
s'est fait proclamer président. C'est le hold-up électoral et c'est le début de la construction du mur antidémocratie. La construction du mur antidémocratie en RDC doit nous interpeller. Les détruire maintenant est l'affaire de tous les Congolais et nous fera l'économie d'une situation explosive qui mettra les Congo à feu et à sang. Pour détruire ces murs antidémocratie, nous devons, par tous les moyens, contraindre M. Joseph Kabila d'accepter le dialogue inclusif tel que prévu dans l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU, de respecter la Constitution et de ne pas réviser son article 220, de convenir et de définir dans une concertation inclusive un calendrier global et précis du processus électoral en République démocratique du Congo, de respecter la démocratie et le suffrage universel et de régler rapidement le contentieux électoral issu des élections frauduleuses de novembre 2011, de respecter et de garantir l'indépendance de la justice, les droits et libertés fondamentaux et surtout de libérer immédiatement et sans condition tous les prisonniers politiques et tous les prisonniers d'opinion dont M. Eugène Domingo-Gala et M. Bertrand Ewa. Maître Claude Mbaye Kayembe, merci pour la parole que vous m'accordez. Tu es bien avec moi, Oscar Obama Boussel, Kinshasa aussi, on a passé le test en charge, je m'appelle. Et la lutte pour la victoire du président est celle qui s'était dit. On a imaginé un projet ensemble. C'est ainsi qu'on a été le voir pour soumettre ce qu'on avait comme idée. Mais si j'ai un peu de temps, je reviendrai sur ça. Mais avant tout, je voudrais d'abord remercier la majorité présidentielle populaire qui nous accueille ici, qui a pris l'initiative d'organiser cette rencontre. Je suis ému de voir le Congolais répondre présent en masse à cette organisation, ce qui démontre, si besoin en est encore, que la situation du Congo interpelle en tout cas ses fils et ses filles qui vivent ici à l'extérieur. Alors, pour poursuivre sur la lancée de ce que mon ami de gauche, Gobert Kouta, chargé de relations extérieures de la RPP, a dit ici, je les salue, d'autant plus heureusement que M. Domingo-Gala est un de ceux d'ailleurs, à l'époque à Kinshasa, à être élu et à s'être levé, mobilisé pour se battre aux côtés du président Étienne Tshisekedi qui luttait pour récupérer l'impérium et diriger le pays. Puisque vous le savez, Mbaye l'a dit, Rigobert l'a dit, que le 28 novembre 2011, c'est réellement Étienne Tshisekedi qui a gagné les élections. Je vais vous le démontrer par A plus B de raisonnement logique. Quand Kabila lui-même reconnaît qu'il y a de fraude massive, c'est lui qui organise les élections. Vous pensez vraiment que ces fraudes-là venaient de Tshisekedi, de l'UDPS ou de l'opposition? Non, c'est un élément. Deuxième élément, quand Kabila, après les élections, chasse de la CENI, Ngoïmoulunda, qu'on a appelé Ngoïkuluna, et le professeur Njoli, parce qu'ils ont fait du mauvais travail. Vous pensez vraiment que c'est Tshisekedi qui a monté toutes ces opérations? Je dis non. Ce sont des éléments, des indices qui viennent d'eux. Vous avez des experts de la communauté internationale qui sont venus, notamment de l'Union européenne, des experts qui sont venus, qui vous ont dit que le résultat proclamé ne reflétait ni la volonté des urnes, ni ce que le peuple a exprimé le jour des élections. Ça, c'est un autre indice, le centre Carter l'a dit. Un autre élément qui démontre que notre électorat, vous gagnez les élections. En principe, si le peuple vous a élu, si le peuple a voté pour vous de manière massive, il doit y avoir une fête, une liesse populaire dans toutes les villes, puisque vous êtes le candidat du pays. Au moment où on annonce la victoire de Kabila, personne ne fête. Les gens sont enterrés chez eux. Ça, c'est un autre exemple. Ce sont des indices qui démontrent. Moi-même, j'étais candidat dans la circonscription de la Tcham, une circonscription très difficile, où notamment était candidat
Monsieur Kimbuta. Mais vous ne savez pas dans quel climat nous avons battu campagne dans cette circonscription. Il y avait le quartier de zones entières barricadées où nous ne pouvions avoir accès. Jili, Kimbateke, Malou, impossible de battre campagne. Ils luttent aujourd'hui pour l'impérium. Ce que moi je reproche aux Congolais, vraiment je le dis, je suis aussi dedans, hein. Je ne me mets pas à l'écart, je fais partie de cette critique. Notre ami Rigobert Koutala dit ici, Tshisekedi est taxé de tout le monde. Tshisekedi est critiqué de toutes parts. Tshisekedi ne dirige pas le Congo aujourd'hui. Hein. On s'en prend à Tshisekedi, on s'en prend à sa famille. Je veux vous rappeler qui est Tshisekedi. Je suis encore un jeune à l'époque. J'étais encore, je me rappelle, à l'école secondaire ou aux humanités. Il y a quelqu'un qui se dresse contre le régime Mobutu, au plus fort de la dictature du régime Mobutu. C'est quelqu'un qui renonce à tous les avantages pour servir le peuple congolais dans l'opposition. C'est celui qui dit à Mobutu, non, on n'a pas prévu de faire comme ça. Tu te détournes du chemin qu'on a voulu emprunter pour le développement du pays. Je voudrais vous poser la question ici dans la salle. Qui, à cette époque-là, s'est levé aux côtés du Tshisekedi pour se battre contre le régime Mobutu? Il y en avait 12. Mais ce que moi j'aime, on sait, monsieur, Tshisekedi, c'est la constance politique. Tshisekedi, c'est la rigueur de la réflexion. Tshisekedi, c'est celui, je le dis aujourd'hui, il ne mourra pas avant de sortir le pays. Je profite de cette occasion pour lancer une sévère mise en garde ici à certains membres de l'UDPS. Je le dis, beaucoup diront que je n'ai pas qualité. Si, j'ai qualité parce que je suis un membre de l'UDPS. Je dis ici à tous ces gens qui font une campagne de désintoxication, de déstabilisation de l'UDPS, de la famille et des structures de l'UDPS, je dis attention. Attention, attention. Parce que viendra un moment où il y aura le procès en cascade. Le procès en responsabilité, le procès pour diffamation. Je pense que papy en parlera. Les gens ne se rendent pas compte, je ne suis pas un fanatique de Tshisekedi à l'aveugle, les gens ne se rendent pas compte de ce que cette campagne peut faire mal à un homme qui a consacré toute sa vie à la lutte pour la démocratie et pour l'avènement d'un état de droit. Alors, chers amis frondeurs, arrêtez. Félix, c'est le secrétaire chargé des relations extérieures de l'UDPS. Point barre. Il n'a pas pour ambition de devenir président de l'UDPS parce qu'on a un bon président à la personne de Tshisekedi Doamulu. Bruno Mavumbu, c'est le secrétaire général de l'UDPS. Il a été nommé par le président. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il soit relevé de ses fonctions, il demeure le secrétaire général. Tout membre du parti doit obéir à ce monsieur-là. Qui n'obéit pas à ce monsieur-là n'obéit pas à Tshisekedi, ouais. Donc n'a pas de place au sein de l'UDPS. Comme vous avez prévenu et avancé hier, voilà, nous sommes dans notre réunion et conférence commémorant les 3 ans du hold-up électoral. L'auditoire vous entend. Et voilà, si vous pouvez lui dire bonsoir avant que je vous laisse la parole. Vous m'entendez bien? Et comment va votre mari actuellement? Vous savez, mon mari a eu un accident lorsqu'il était grave en 8 décembre. Il a fait objet d'un traitement inhumain parce qu'il a été arraché de souffrance de la clinique Ngaliema le même jour sans subir aucun traitement, même pas des examens médicaux. De la part d'un groupe de militaires de la garde républicaine qui ont mis une
elle a ramené un puzzle. Donc, j'ai fait une recherche de sa mort physique, on ne peut pas l'interpréter autrement. Après sa mort physique, on cherche sa mort physique. Et quelle lecture avez-vous de ce qui lui arrive en fait? Quelles sont les causes réelles de ce qui lui arrive? Est-ce réellement un problème de viol ou vous mettez ça sur le compte de ses choix politiques? Je crois que poser la question à l'élève de la naïveté de l'homme, parce que mon mari, sous les conséquences de l'engagement vraiment cohérent et qui m'extrême de cœur par rapport à sa volonté de dénoncer le temps électoral qui a suivi le 28 novembre 2011, il a en premier lieu boycotté le Parlement à la suite de fraudes électorales massives qui ont mis en place une majorité effective des personnes nominées plutôt que il a eu la cohérence de suivre ce qui avait été à l'époque les mots du président Tshisekedi jusqu'au bout. Et même au-delà de certaines personnalités du parti de M. Tshisekedi, qui continue à siéger, continue à faire adopter une disposition de soit équilibrée et s'oblige de sortir du palais du peuple et faire l'air des relations à la presse, oui, dans la salle, c'est réaliser la même scène, la même. Donc, il donne la ligne de courage et aussi la clairvoyance de dire on ne peut pas faire l'inacceptable. Il a mis en place la majorité présidentielle populaire, c'est justement à la veille de la signature de la charte constitutive de la RPP de Kinshasa le 27 juin 2012. Fabrice de sécurité, on a fait le montage. C'est terminé le lendemain avec sa détention à Fukushima qui a duré 3 mois. Et après, deuxième accusation pour une prétendue volonté sélectionnée au nom de l'Imperium d'ailleurs, qui n'a jamais été prouvée et même pas investiguée d'ailleurs. Et avec sa condamnation scélérate à 10 ans de prison, après un procès qui a été vraiment défini comme une parodie de procès, c'est une paix parce que moi je n'ai jamais vu qu'un procès où la personne est coupée n'est même pas auditionnée. Il n'y a pas de preuves, il y a des juges qui siègent à la pérouse pour le pays, c'est-à-dire la Cour suprême de justice. Il n'est vraiment pas la mesure du juge, selon ce qui prévoit la loi sur la Cour de cassation, c'est-à-dire selon les membres qui prévus par la présidence. Je ne sais même pas se préoccuper de la forme légale, parce qu'il fallait quand même condamner quoi qu'il y ait. Tshisekedi, il ne parlera pas de sa campagne à lui, mais de la campagne. Le président vient de nous parler du taux de pénétration, et Babi va nous dire en quoi et pourquoi il pense et il croit fermement que Étienne Tshisekedi avait remporté cette élection. Voilà. Donc, mon nom c'est Babi et mon nom de famille c'est Balokuna. Je suis tshisekédiste et je suis proche de l'UDPS. Comme on vient de vous dire ici, c'était une forte bataille pour avoir une place comme candidat de l'UDPS. Mais de tout le temps qu'on a circulé avec le président et tout son entourage, nous avions perdu à l'esprit de rappeler qu'il fallait être sur la liste du parti. Et de toute façon, ça n'allait pas jouer. Mon témoignage, c'est pour dire à ceux qui ont l'habitude d'attendre qu'on leur donne un mot d'ordre, de savoir que sans mot d'ordre, on peut faire un travail qualitatif et qui puisse vraiment retenir l'attention de tout le monde. Ce fut mon cas. Je vais repartir avec cette histoire du début.
Vous savez, aujourd'hui, on parle de la victoire. Ça paraît trop facile. C'est comme si, dès le début, on savait déjà qu'on pouvait gagner. Alors, raisonner comme ça, c'est comme si on était kabyliste. Parce qu'il n'y a que les kabylistes qui, dès le début, savaient qu'avec Malmal et tous les autres, ils pouvaient gagner. Mais nous, nous étions sûrs de notre produit. Parce que Tshisekedi... Avec Ngoï Moulunda. Oui, voilà, Ngoï Moulunda, voilà. Merci de me l'avoir. Ça viendra avec Malmal. Voilà. Merci de tout. C'est une histoire qui a vraiment marqué les Congolais, c'est vrai. Même quand on se perd, il y en a d'autres qui vont toujours nous rappeler que l'histoire était cette qualité. Pour revenir à ce que je disais, ça veut dire qu'un jour j'étais à Kinshasa. Dans mon histoire, il y aura plus des anecdotes. Un jour j'étais à Kinshasa, on m'appelle au téléphone pour me dire que Tshisekedi était décédé. J'étais au volant. J'ai failli tamponner les gens. Je me mets de côté, c'était vers Soussimat. Je pose la question à celui qui me disait l'information. Qui t'a dit ce que tu dis? Il dit, mais c'est sur Internet, tout le monde le lit, tout le monde le voit. J'ai dit, on vous montre un cadavre, on vous montre quoi? Il dit, mais tout est là, on le voit. Il y a une station à Soussimat, je vais vers... Oui, mais Soussimat, là où il y a le garage Mercedes et tout ça. Je me mets dans la station. J'avais posé la question, on m'a dit, non, c'est sur Internet. Et c'est chez Weti d'ailleurs, on a cité Weti. C'est Weti qui a publié l'image du deuil et tout. Je prends mon téléphone, j'appelle Cyprien. D'abord j'ai commencé à pleurer de moi-même, je ne sais même pas comment ça a commencé. Il y avait beaucoup de larmes sur mes joues. Je me dis, mais si ce papa va mourir comme ça, dans cet état de choses, comment nous allons nous sortir de tous ces désordres kabylistes? Parce que moi déjà, on me suivait à tout moment, il y avait des amers à gauche, à droite. Là, je me dis, mais s'il meurt, on va mettre qui devant? Donc la question du leadership se posait déjà dans la tête de chacun de nous. Alors j'ai appelé Weti qui m'a dit, oh, dit, écoute, les Congolais, ils extrapolent beaucoup. C'était une visite plutôt de Oscar Kachala au président Tshisekedi. Et sur la photo, on pouvait quand même remarquer que Tshisekedi était faible physiquement. Et il avait fort maigri. J'ai dit, ah, ce n'était qu'une photo. Mais même s'il est mince, même s'il est faible comment, il va nous aider, il est en vie. Et c'est de là qu'était parti mon engagement, pas pour l'UDPS, pour Tshisekedi, pour son combat, mais pour que le dernier souffle qui restait au monsieur puisse nous servir. Quand je suis rentré en Europe, en tout cas, j'ai dans mes habitudes, je n'aime pas aller voir les gens faibles ou malades. Je n'ai pas cherché à le rencontrer tout de suite. Mais après, on me dira qu'il donnait une conférence à Montgomery pour annoncer sa candidature. Ça m'a encouragé, j'étais à Matongé, c'est Weti qui me disait, Cyprien Weti toujours. Alors ça m'a encouragé. Il dit, mais viens à eux pour signaler qu'il y a un candidat. Là, dit, ah bon? Et là, je rentre à la maison, je commence le projet de la campagne des deux messieurs qui ne m'a rien dit. J'ai dit, mais il doit être élu. Alors, j'allais à Kinshasa pour un projet de citoyenneté. On travaillait avec les écoles où on formait des étudiants et des élèves hein, pour le civisme. Alors je me dis, je dois déjà commencer ce travail parce qu'on en aura bien besoin d'ici peu pour les élections, parce que les électeurs devraient être préparés. En tout cas, Martin Fayoum peut les témoigner. Il nous a accompagnés en tant que député à un moment pour des témoignages. Alors, je disais déjà aux gens, vous voyez, bientôt, ce sera les élections, il faut voter responsable, voter les gens qui tiennent des projets intéressants. Et c'est comme ça qu'on a commencé à préparer près de 3000 jeunes élèves à qui on avait donné des diplômes d'ambassadeurs des citoyens. Ma présence ici, ce jour, comme représentant du MXC, Mouvement de Libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, à la question posée sur le hold-up électoral, je pense que mes prédécesseurs se sont longuement exprimés à ce sujet et chacun a compris réellement que les élections depuis 2006 d'ailleurs ont toujours été truquées. En 2011, c'était encore catastrophique, raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui et que celui qui a gagné les élections ne dirige pas notre pays. Je voudrais faire une brève réflexion du point de vue de notre parti, celle
de finalement se poser l'autre revers de cette question principale. Ça a été relaté par mon jeune frère Jean-Luc Abouya un tout petit peu. Pourquoi est-ce que l'opposition ne s'organise-t-elle pas de manière à endiguer la fraude? Parce qu'on peut encore aller aux élections en 2016, mais ceux qui sont à la manette de pouvoir ont ce réflexe, c'est de la triche. Nous allons encore avoir les mêmes effets et nous risquerons encore de nous fâcher encore une fois. Je pense que c'est le moment de réfléchir sereinement sur la capacité à endiguer la fraude. Vous vous souviendrez, je ne vais pas me taire à ce sujet, le président de mon parti, Jean-Pierre Bemba, est le seul homme politique de notre pays qui a eu la visite du président Tshisekedi à deux reprises. Je crois qu'il n'a pas fait pour beaucoup de cadres politiques de notre pays. C'est un grand honneur pour nous, mais je vais livrer quand même une partie de ce qui a été dit entre ces deux grandes personnalités de la RDC. Le président Jean-Pierre Bemba avait déjà à l'époque dit au président Félix Tshisekedi de tout faire pour aligner les témoins dans tous les bureaux de vote. Malheureusement, ça n'a pas été possible, mais l'avenir doit se baser sur ce qui s'est passé pour que nous ne revenions pas dans les mêmes erreurs. Il y a aussi un réel problème. Vous savez que même les militants des partis, pour qu'ils aillent être témoins, ont besoin. Il y a un problème de logistique, il faut de l'argent. Il y a des témoins, il y a des gens qui ont été candidats, ils le savent. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un toute la journée dans un bureau de vote sans qu'il ne puisse pas se nourrir, ni boire. Donc c'est maintenant qu'il faut s'organiser pour rechercher les moyens nécessaires pour les témoins lors des futures élections. D'autre part, il faut également avoir un œil sur le fichier électoral. J'avais espéré que mon ami et frère Stanislas Kalombo de la Protec soit là pour parler du mécanisme au niveau de la CENI, pour que nous comprenions, parce que la tricherie, comme Maître Chupacabra l'a dit, est organisée au niveau des bureaux de vote, mais comme on n'avait pas de témoins, la tricherie est flagrante. Elle est aussi organisée au niveau des bureaux de compilation, et quand vous n'avez pas un œil dessus... Faites quand même attention, parce que de nos jours, on voit Kabila partout. Quand il y a une initiative, on dit que c'est Kabila qui finance. D'abord, je rends hommage à mon frère, qui ne l'a pas autorisé, mais je dis, pour tordre le cou à la rumeur, la méchante rumeur, sur le financement de la tournée que nous avons faite à travers une partie de la République, le docteur Ilonga, lui, il sait que c'est pas venu de Kabila. Je lui rends hommage. Il sait pourquoi. Merci. Voilà. Donc, le contexte n'est pas de parler de la tournée, évidemment. Nous remémorons le jour de la victoire du peuple, le jour de la victoire d'Étienne Tshisekedi, donc il faut en parler. Et j'en parle en étant vraiment à l'aise parce que je sais déjà du point de vue du député, du candidat député que j'étais au Kassai Oriental, plus précisément en Mbujimaï, quelle est la portée de cette campagne, la portée du nom d'Étienne Tshisekedi, de sa prestation durant ces élections du 28 novembre 2011. Et ici, si je dis que, avec assurance, sans hésitation, il a gagné, c'est pas seulement du point de vue de Mbujimaï où je me trouvais, mais c'est par rapport aux événements qui se sont passés par la suite, et on peut en parler ici. Je crois que j'étais passé sur France 24 quelques jours après pour dénoncer la fraude et dire pourquoi nous pensions qu'Étienne Tshisekedi avait gagné. La première déjà des preuves de cela, c'était l'Église catholique. Souvenez-vous que l'Église catholique était l'organisation qui avait, au-delà de tout
toutes les organisations qui surveillaient et qui observaient le déroulement des élections, l'Église catholique était l'institution qui avait le plus grand nombre d'observateurs sur le terrain. Ils en avaient 30 000. Et donc 30 000 pour les 60 000 bureaux, ça faisait un témoin pour deux bureaux, donc c'était facile à comprendre et facile à conclure. Ils avaient les résultats le même jour. La preuve, c'est que lorsque ces résultats ont commencé à parvenir au fur et à mesure que les heures passaient vers leur centre de compilation, les SMS ont été coupés, tout simplement. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faudrait qu'un jour rendre à la vérité le fait que, je parle ici des opérateurs de téléphonie mobile, disent la vérité au peuple sur ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'ils ont coupé les SMS? Parce que ça, c'était une arme redoutable qui non seulement démontrait que Étienne Tshisekedi a gagné les élections, mais en plus était aussi mobilisatrice, parce que les gens se communiquaient et petit à petit des rassemblements se faisaient. C'est ainsi que cette décision est arrivée. Et connaissant le...